C'est vrai, le son! Cassez couilles. Ouais. Oui, le son! Oh, j'oublie toujours ça. Yes. Yes. Le son! Bon, du coup, bonsoir. Ok, ce que je disais. Ouais, j'utilise Badgerator ce soir. Voilà. Ouais, je lisais pas le chat, excusez-moi. C'est terrible, hein? C'est terrible. Donc, du coup, je disais. Bonsoir déjà, bonsoir tout le monde, bonsoir à ceux qui sont là, super, bonjour. Ensuite, j'utilise Badgerator ce soir, oui encore, puisque j'aime beaucoup le deck, même s'il a disparu de la tier list. Et j'utilise plus le tombeau scellé, j'utilise télépathie. Ok. Et j'ai rajouté un Oplomach. Bonjour aussi depuis le 971. 971, c'est quel département d'outre-mer déjà? Oh, je sais plus. Doji, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il envoie au cimetière depuis le deck. Ok. Seems ok. Tu penses quoi des cartes Gémeaux de Bastien? Pas grand-chose, puisque je... Oh, vous savez, genre, l'event de Bastien, je no-care totalement. Je me souviens absolument pas des effets des cartes. Je crois que l'UR est plutôt pas dégueu, on va dire. Sinon, le reste, je m'en souviens absolument pas. Et même pour les monstres Gémeaux. Ouais. Tu vises le DNV combien? Je vais essayer de passer à la phase 2, donc DNV 20. Regarde, on va essayer. Hein. Et quest. Qu'est-ce qu'on va mettre? L'Aquarius. En soi, l'Aquarius c'est pas mal. J'aurais. Oh, ou peut-être Bestiary pour détruire ce gun aurait pu être bien aussi. Bon, j'ai les bêtes gladiateurs, ça va. T'as suivi l'histoire de l'article 13? Oui, les gars. J'ai suivi. Et du coup, j'avais vu Doc en plus vendredi. Rapidement parlé, vaguement. Enfin, même lui qui a pu parler à Doc Seven, hein, pour ceux qui se demandent. Pour lui qui s'est renseigné auprès de certains parlementaires, en soi, ça reste quand même un bordel. Puisque même si la. En fait, la chose avec l'article 13, c'est que bon, l'Europe peut voter. Ça a déjà été voté, hein, ça va être mis en place. C'est juste que ça peut toujours être modifié. Et bon, c'est très compliqué. Hein, je vais pas trop en parler puisque je ne maîtrise pas tout sur l'article 13. Mais déjà, c'est quelque chose qui ne concerne pas que YouTube. C'est vrai qu'on en parle beaucoup avec YouTube, mais c'est quelque chose qui concerne Internet en général. Ça va concerner Twitter, Facebook, Twitch, tous les sites, tous les sites, tous les sites, sur tout l'Internet en Europe. Donc, chiant, hein? Ouais, ça va être chiant. Du coup, c'est pas que ça. Et du coup, en fait, c'est plus les pays qui choisissent comment ils vont appliquer cet article 13. C'est pas forcément l'Europe en entier. Même si la loi passe, en fait, c'est chaque pays qui va choisir comment ils vont. Enfin, la loi. La loi va passer, mais selon la manière où ça va être implémenté, très compliqué. En soi, c'est les pays qui choisissent. Je vais essayer de pas jouer juste le deck Belliator. Je vais jouer un peu héros masqué si ça commence à être trop dur. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans les infos au début de l'event. Annie, ah, tu parles d'autre chose. Oh, Buster Blader, tombeau scellé. Signer la pétition. Oui, non, après j'ai signé la pétition, j'ai retweeté sur Twitter, tout ça, hein, les gars. Si vous trouvez la pétition contre l'article 13, ou en tout cas pour la modification, on peut pas. L'article 13 va exister. C'est juste, il faut signer pour que l'article 13 soit pas aussi terrible qu'il l'est aujourd'hui. Mur miroir. Contrôleur d'ennemis. Et on va mettre Bestiary. DNV10, c'est correct, on va dire. J'ai écran noir, ça me saoule. Et bah tu fais F5. S'il y a un écran noir, vous faites F5, puisque normalement il n'y a pas de souci actuellement. Bon, très bien, ça s'est dégagé. Et on a un mur de l'interruption face cachée. Qui a été hard to play ce week-end, pas moi en tout cas.
On peut remplacer les Trap Van ou Canadia par quelle carte piège dans Badgerator? C'est très difficile à dire. Plus de mur miroir, mur de l'interruption. Non, puisque les Canadia et Trap Van sont juste hyper importants dans le deck. Quel est ce deck en face? Ah, ça y est, Dédé. C'est quoi l'article 13? Bah, en soi, c'est quelque chose qui limite beaucoup la liberté de l'Internet. En gros, ça pourrait... Comme YouTube l'a dit, ça ferait 4 millions de chaînes YouTube fermées. Bon, après, ça, je pense que c'est un chiffre qu'il donne vraiment pour faire peur, pour nous faire réagir. Hein. 4 millions, ça me paraît très excessif et c'est le pire des cas. Ça pourrait être possible, mais c'est le pire des cas. En fait, c'est l'article 13 en gros du gros. C'est vraiment en gros du gros. Hein. Il faut mieux vaut plus se renseigner par rapport à ça, mais. C'est genre, par exemple. Par exemple, quelqu'un qui fait une vidéo sur Yu-Gi-Oh! Sur YouTube. Eh bien, en fait. Non, on va dire Star Wars. On va dire Star Wars, c'est plus précis. Puisque Star Wars appartient à Disney, on est bien d'accord, il me semble. Quoi? Ok. Star Wars appartient à Disney. Donc, en fait, si quelqu'un fait une vidéo sur Star Wars ou met des images de Star Wars sur YouTube, eh bien, c'est YouTube qui est responsable maintenant. Avant, c'était les personnes qui faisaient ça et pouvaient être punies. Là, maintenant, si il y a des problèmes de droit d'auteur sur un site, eh bien, c'est le site qui est responsable. Et du coup, en fait, ce que par exemple YouTube va faire, c'est que. Je vais mettre mur miroir, mais c'est chiant. Ce que YouTube va faire, c'est que ben ils vont devoir bloquer pas mal de personnes en Europe, de chaînes en Europe, parce que ils veulent pas avoir de problème de copyright ou à moins qu'ils payent les copyrights de Star Wars à Disney pour que les gens puissent faire leurs vidéos sur Star Wars. Ils sont un petit peu carottes. Mais du coup, ça coûterait énormément d'argent. Je veux dire, YouTube devrait racheter les droits pour tous les jeux qui existent dans le monde, toutes les séries, tous les films, etc. C'est absolument impossible. Twitch, c'est pareil. Ils doivent racheter les droits d'utilisation de tous les jeux pour qu'on puisse faire un stream, par exemple, sur Duel Links. Il faut qu'ils achètent les droits à Konami, des trucs comme ça. Pour moi, c'est une loi débile, mais bon. Écran noir sur téléphone, j'ai refresh 25 fois. Et bah, tu te mets sur PC. Attendu une réponse! Bon, je vais payer 2000. Yes! J'ai gagné! Yes. Franchement, j'essaye. Non, mais c'est extrêmement chaud. En fait, là, ça me paraît beaucoup trop extrême pour que ce soit vrai, mais apparemment, c'est ça, quoi. Et je trouve ça débile. Genre, pour moi, c'est une loi débile. C'est pas une loi, d'ailleurs, c'est pas comme ça le terme, c'est. Comment ça s'appelle? C'est un article. C'est pas une loi, c'est autre chose. T'es le pire, tu joues trop lentement. Eh, excusez-moi. Excusez-moi. Soit je me concentre sur mon jeu et je ne lis pas le chat. Soit je lis le chat et je me concentre pas sur mon jeu. Hein? Excusez-moi, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Je fais ce que je peux, hein. Je fais ce que je peux. Hop, Equest, let's go. Yo, Alex, comment ça va? Bon, ça va bien. Ça va, hein, clairement. Encore du grand n'importe quoi. Qui est la lumière qui a décidé ça? Ben, à mon avis, des personnes qui ont 60 ans, qui ne savent pas utiliser Internet et qui... Oh là là! Regardez, Internet vole l'argent des grandes entreprises. Ah bah sur YouTube, j'ai pas le black screen. Ah! Voilà. Putain, mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec leur deck Buster Blader? Quel deck tu conseilles pour les débutants? Le deck Alien. Les gars, j'ai un deck héros masqué vieillissant et je kiffe le deck Dragunité.
Je peux m'en faire un, vous me le conseillez ou pas, sachant que j'ai free to play? Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de compétition récemment. Dragunité, ah si, il y a eu le Meta Weekly, mais Dragunité n'a pas fait un bon. N'a pas fait un bon. Résultat, on va dire. Ok, t'as 2400 points de défense. Ok. Donc, du coup, je le conseille pas forcément. Les mecs sont chauds dans la KC Cup? Bah, pas à mon rang, hein. C'est des animaux. D'ailleurs, hop. Damage step. Surtout que ça fera beaucoup moins de pubs pour les jeux, donc moins de chiffre d'affaires pour les entreprises. Non, mais oui, mais en fait, c'est ça qui est aberrant pour cette. Cet article. C'est qu'en soi, bon, c'est chiant pour les youtubeurs. Nous sommes bien d'accord. Nous sommes bien d'accord dessus. Mais en soi, je veux dire, ça fait chier plein d'entreprises qui passent par les youtubeurs influenceurs qui est pour promouvoir leurs produits. Je veux dire, si t'as plus le droit de faire du jeu vidéo sur YouTube, bah, c'est la mort de l'e-sport. Je veux dire, l'e-sport se base seulement sur. Terminer le tour. L'e-sport se base seulement sur les diffusions, hein, clairement, enfin, principalement. Donc, bah, s'il n'y a plus ça, bah, c'est chiant. Un petit peu. Hop, Retiarius. On active l'effet. On va retirer du jeu Buster Blader. Tu dégages, toi. Et toi, on va invoquer. Tu regardes Jojo Bizarre Aventure? Non. Tech nuagien, il permet d'aller en platine? Non. Donc, ouais. Pour moi, c'est stupide comme loi. Comme article. Alex, tu trouves pas que Primus Pilus Dragunité est fort? Tu l'as pas mis sur ta decklist alors que tu tutos Pharanx ultra vite avec. C'est lequel déjà, Primus Pilus? Je m'en souviens plus. T'en penses quoi de Vrains? J'ai encore une bonne quinzaine, vingtaine d'épisodes de retard, mais j'aime beaucoup. En gros, il restera plus que les bandes annonces de films, les musiques de Vevo, la bonne douille des certifications de YouTube, oui. Et surtout qu'on peut pas dire, oh là là, les gars, on va aller sur Dailymotion, ce qui serait totalement stupide puisque Dailymotion, c'est une plateforme de merde. Puisque non, en fait, ça s'applique sur tout l'internet. On peut pas les migrer sur Twitch. Puisque non, Twitch va avoir le même problème. On peut plus revoir les lives de Decade sur Twitch. Ah bah, il faut peut-être être abonné pour pouvoir faire ça. Comment on lance une game en ligne parce que je débute? Je crois que tu l'as pas au début. Hein, il faut que tu passes quelques phases et après tu auras une zone qui sera disponible pour que tu fasses les duels en ligne. Tu en penses quoi de la saison 3 de SAO pour le moment? J'aime bien. Il y a certains épisodes, des fois j'ai l'impression qu'il se passe rien, mais en soi, graphiquement, enfin, l'animation est juste magnifique. Genre, vraiment. C'est une beauté! C'est une beauté! Non, moi j'aime bien. Moi, vous savez, j'aime beaucoup SAO. J'aime beaucoup SAO. Et franchement, cette saison-là, elle est très très bonne. Après, au même moment, puisque Goblin Slayer et SAO sortent au même moment sur Wakanim, je veux dire, cette semaine, Goblin Slayer était largement au-dessus. Genre, vraiment bien. Non, je regarde pas Death Note. Si tu regardes Death Note, je fais un nom. Ouais, je regarde Death Note. Oh là là, j'adore. Rem et tout ça. Ouais, j'adore Death Note. Allez. Comment. Les Dark Web, c'est bien, non, Dani? Tu me conseilles de regarder Vrains? Absolument. Absolument. Est-ce que tu regardes Overlord et qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas encore regardé Overlord. Faudrait que je regarde un jour. Yes. Pas gentil, dangereux. Dis-moi, j'ai un deck yeux bleus avec pas mal de cartes, dont le mausolée blanc et deux relais blancs, mais je n'arrive pas à utiliser ces derniers pour la fusion de l'ultime dragon blanc. Une idée? Ne fais pas la fusion ultime dragon blanc yeux bleus, elle est nulle. Voilà. T'as préféré Asuna, Sinnoh ou Suguwa? Les gars. Non, mais soyons d'accord. Soyons d'accord. On va déjà lui mettre un mur miroir en battle step. Ça, c'est une bonne idée aussi, hein. Ça, c'est franchement la bonne idée.
Oh, même pas en déclaration d'attaque, je suis débile. Je suis un petit peu débile, mais bon, tout va bien. Sinon. 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 Au-dessus de tout le monde. Elle est au-dessus de tous. Ah, c'est dommage. Je combats quand même. Ça me fait combattre quand même. Dommage. Genre, je sais même pas combien de trucs j'ai en rapport avec Sinon. Parce que j'ai le poster là. J'ai trois figurines de Sinon. J'ai un poster là. J'ai un calendrier avec de SAO2 là. Oh, j'adore Sinon. J'adore Sinon. Best girl de SAO. Alors qu'il y a un harem énorme de SAO quand même. Comment va-t-on faire? Comment va-t-on faire? Lui, il est ch... Ah ouais, il peut pas défausser. Je pense que je vais payer 2000. Dommage, j'ai juste pas assez d'attaque en fait. Je vais quand même mettre Retiarius. Et il a pas un céleste au cimetière? Il n'y a pas un céleste au cimetière? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Allez, dégage-moi ce céleste, puisque ça me saoule comme carte. Hein. Qu'est-ce que ça me saoule comme carte? Ban 5K face à un policier dans le monde 5D. Hein, yes. Exact. Ouais, je paye. Ah, du coup, il a récupéré un monstre. C'est chiant. On va poser ça. Est-ce que je fais juste l'attaque comme ça et je mets un Myrmillion depuis mon deck et je détruis son dangereux? Je pense que ça peut être une bonne idée. Pff, de toute façon, j'ai tout ce qu'il faut en protection, donc hop, on va juste faire ça. Ouais, non, mais active ton effet de dangereux. Hein. Meilleur épéiste de SAO entre Heathcliff, Kirito et Yuki. Ça, j'en sais rien, les gars. Oh non, il a envoyé l'autre céleste. Oh, il est chiant. Qu'il est chiant, terminer le tour. Hop. Allez, permets-moi d'invoquer un petit Myrmillion. S'il te plaît. S'il te plaît. Dangereux, qu'est-ce qu'il m'a saoulé. Qu'est-ce qu'il m'a saoulé. Mais je vais le détruire, c'est plus dangereux. Faux fan. De quoi? Ah d'accord, par rapport à un truc. J'en sais rien. Kirito. Non, mais j'en sais rien pour ça. Alors Alex, t'as mis ton gilet jaune ce week-end? Je ne vais rien dire, je ne vais rien dire. Bon. Les mecs sont chauds dans la case cap ou pas? J'ai déjà dit que non. En tout cas, à mon rang. Tu en penses quoi du dragon rayonnant aux yeux bleus sur Duel Links? Mauvais. C'est trop compliqué à invoquer, c'est de la main morte. Ice Edge! Une fois partout. Vous pouvez cibler. Attendez. Mais on a interruption. Hop, allez, tu me fais zéro dégâts. Ferme-la! Ferme-la, j'ai dit! How is throwing cards all over the screen is so entertaining! I don't know, man. I don't know. It's so entertaining, man. Toi là! Toi, je vais te dégager là. J'aurais dû attaquer Décideur, peut-être? Bam! Décideur, c'est un changement de masque face cachée. Peut-être même pas. Hein. Ah si, c'est un changement. And how can you speak English without having that thick French accent? Is this man a wizard? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? Continuez à attaquer? Non. Oh, il est prismatique. Incroyable. Terminer le tour. Plutôt chiant. Ah putain. Ah. Retiarius.
qu'il gagne en soi. Latirius. On va le mettre en mode attaque, comme ça l'adversaire va se dire, hey, il a peut-être quelque chose. L'anglais du dimanche! Je pensais qu'il. Ah, j'avais pas vu qu'il avait réutilisé son. Ah, son céleste. Oh! L'erreur! L'erreur du joueur en face! Ce naze! Ce naze! Mur de l'interruption! Bon, je prends quand même 400 de dégâts. Ah non, il a gagné quand même. Qu'est-ce que je raconte? Changement de masque. Il a pile poil en fait. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, oui. Ah, t'en penses quoi du deck à Romage? C'est un deck sympa. Hein. Que dire de plus? Et non, trap ban! Trap of value! la Curious. Oh non, Canadien. Ok. On tente des trucs, hein. Terminer le tour. Est-ce que j'ai encore un Mirmillo? Parce que j'ai même pas de Mirmillo. Si, j'en ai un. Oh, Beast Man! Dégage de là, Lanky, là! Lanky, tu dégages! Tu penses que je peux aller dans la cassée avec un deck Yusei? Les gars, j'en sais rien. Chargement de masque! Oh non! Oh, c'est le pire des trucs. Hein. Ça, c'est le pire des trucs. Changement de masque. Okay. Bon, je pense qu'il va attaquer. Je suis obligé de prendre l'attaque. Je suis obligé de prendre l'attaque. Là, il va faire son changement de masque. Me dis pas qu'il peut. Oh non, il peut pas tuto. Yes. Yes, il peut pas tuto. Il peut pas tuto. Il peut pas tuto. Vas-y, envoie-le au cimetière. T'invoques. Et je top deck. Je top deck un Lacurius. MDR, mais c'est quoi ces miss? Tu te calmes. De quoi je misplay? Regarde. Regarde. Tout était prévu. Un contrôleur d'ennemis, c'est. C'est absolument ce que j'avais prévu de piocher. Je suis DLM, mais là je galère à passer 20. Oui, bon, ça c'est un petit peu normal. Ah, tu fais pas un avantage pour les pigeons comme nous qui payent et fraudent tes pubs avec l'abonnement premium de YouTube? Bah, le problème c'est que je. Le problème c'est que je ne peux pas savoir si. Bah non, en fait non! Non, puisque si vous avez les pubs, c'est pas grave. Enfin, si vous avez l'abonnement premium, ce n'est pas grave. Puisque même si ça n'affiche pas de pub pour moi. Enfin. Si vous voyez pas les pubs sur mes vidéos, bah ça me rapporte quand même de l'argent en fait. Puisque l'abonnement premium, ça va rapporter de l'argent quand même aux youtubeurs que vous regardez. Ça ne vous inquiétez pas, hein. Si vous avez l'abonnement premium, premium, c'est les gens que vous regardez, les vidéos que vous regardez, bah les gens qui ont quand même des revenus dessus. Vous inquiétez pas. C'est les gens de juste pour me la péter dans le Discord. Pourquoi t'as détruit le monstre en attaque? Merci, ça c'est très précis. Pourquoi t'as détruit le monstre en attaque? Donc je ne sais pas quand est-ce que tu me parlais de ça. Le monstre en def pouvait pas switch sa position vu que t'avais joué Trapvan. Parce qu'il me. Alors. Qu'est-ce que j'avais sur le terrain? J'avais un Retiarius. Voilà, en soi, c'est pas si bête. J'aurais pu tempo. J'ai paniqué, les gars. On va dire que j'ai paniqué, c'est mon excuse. Yo, monsieur Lucas. Pourquoi tu joues pas Dragunity? Pas assez fort? Pas assez consistant. Il y a peut-être de meilleures versions, mais. Kid Modo et bouclier, ok. Et je préfère Bedgliator. Tu comptes présenter le deck Reptilia? Si oui, quand? Il me faudrait un deuxième exemplaire du. Faudrait un deuxième exemplaire de la Reptilia. La Bounce Monster Reptilia. Ça m'aiderait.
Synchro 4! Non, même pas. Alors, là, on assiste encore à... Je vous jure. Les gens... Bon, j'en tombe sur la... Je tombe dessus pendant la KC Cup. Les gens jouent Kinmodo. Et vous allez voir que le mec va mettre 2 heures avant de capter qu'il ne peut pas attaquer. Je fais trap van ou pas? Je peux faire trap van. Vous allez voir qu'il va mettre 2 heures à capter qu'il ne peut pas attaquer. Genre il est là. Bon, de toute façon, à mon avis, il a pas envie d'attaquer avec juste son monstre, mais bon. À quand un début sur TikTok? Je sais même pas ce que c'est TikTok. Je crois que j'ai vu une pub de TikTok, mais je ne sais pas ce que quoi ça sert. C'est une application, mais bon. Random Watcher, c'est délirant tellement c'est drôle. Je connais pas. Ok. Bon. Va falloir le faire waste son bouclier drainant là. Télépathie, ça revient de ouf, ouais. Bon. Je vais attaquer, il va récupérer ses points de vie, mais je veux le faire waste ce truc de merde là. Pourquoi tu prends Maximilien Pegasus? Parce qu'il a télépathie. Télépathie, c'est pas mal. J'ai pas souvent joué le deck livre de magie. Hein. C'est pas un deck qui me tente, puisque tu utilises la même combo. C'est pas un deck que j'aime bien. Comment tu fais pour avoir les descriptions de cartes à gauche? C'est si tu joues sur Steam. Si tu joues à la version à Duel Links sous la version Steam, donc la version PC, tu as ça. Canadien, mur. Toi, t'as combien là? T'as 2100, donc je vais pas aller te chercher, toi. Et t'as quoi dans ton cimetière? Kilmodo, ouais. Bon, allez, tape déjà dans ça. Oplomac dans Duel Links, c'est bien. Pas dégueu. C'est pas la pire des cas. Y'a pas trop le choix. Hein. Pas trop le choix, Retirius. Hein. Et à droite, il y a l'historique de duel que Alex regarde jamais. Je regarde l'historique de duel, hein, vous inquiétez pas. Si ça peut me servir, j'utilise. C'est juste qu'il y a mon overlay dessus, vous voyez pas. Mais... C'est quoi télépathie déjà? Bah en fait, à partir du troisième tour du duel, tant que j'ai plus de 3000 LP, je peux voir toutes les cartes face cachée de l'adversaire. Vous voyez, là je me dis, oh, rien d'important. Rien de bien imposant en face. On va faire ça. Bon, active ta jarre tout de suite, je sais ce que c'est, s'il te plaît. Épargne-moi ça. Épargne-moi ce genre de baliverne. Je peux faire un... Ouais. Je préfère faire un Hérocus en soi. Hop, hop, hop. Avant télépathie, c'était... Dès le départ du duel, tu voyais les cartes, non? Télépathie de souvenir, je crois. Donc c'était les cartes depuis le début du duel. Et surtout que je crois qu'avant... C'était, tu pouvais voir les cartes si t'avais plus de 2000 LP. Et ça, c'est au tout début. Mais ça, j'ai vraiment un doute sur ça. Mais il me semble que c'était probablement ça. Deckbuster, STP, sinon t'es le meilleur. Merci, mais non, je vais pas jouer le Deckbuster, désolé. Toi, c'est si tu fais des dégâts, on peut invoquer spécialement un monstre. Oui, merci, enfin. Je vais faire Retiarius et un Equus. Ah non, un Equarius. L'Aquarius, Retiarius. Terminer le tour. Hop. On voit ça. L'Aquarius. Retiarius. En fait, Oplomac, c'est bien pour surprendre l'adversaire, puisque Oplomac, on le voit pas très souvent. Et du coup, quand tu le mets en défense, l'adversaire capte pas et il tape tout seul dans un monstre qui a beaucoup de défense. Et si, du coup, comme Oplomac a combattu, bah tu peux le retourner dans ton deck et invoquer un bestiary derrière ou un Myrmillo. Yes, genre de cupidité, c'est très utile.
trouves pas que c'est dommage qu'il n'y ait que 5 d'extra deck? Pour les decks synchro, c'est un petit peu chiant, quoique il n'y a pas de synchro ouf pour l'instant. Il est pénible. Il est pénible en face là. Et ce Dari. Hop et hop. Et en iBot vous partage la chaîne de rediffusion des lives. Donc si vous voulez revoir les lives, par exemple ce live, si vous voulez revoir mes misplays magnifiques, si vous voulez revoir mes autres lives. Hop, gère de cupidité, merci. Et hop, on tape. Ah bah la finale des Team Wars commence. Je vais essayer de run dans la soirée, mais je promets rien. Et bah à plus. Hop, terminé le tour. Voilà, on a bien l'avantage pour l'instant. Avec Amazoness, c'est encore viable pour cette KC Cup. Si tu fais un deck Banish Control au lieu du deck Amazoness. Pas purement Amazoness, tu fais. C'est un petit deck qui change un petit peu du deck Amazoness. C'est un petit peu la même technique, mais. C'est juste que tu retires du jeu pas mal de monstres adverses. Toi, t'as combien de points de défense? 600, donc je peux taper avec lui, tout va bien. Voilà. Pour les free-to-play, tu conseilles quel booster à focus et quel deck faire avec? Alien. Et du coup, tu focus le deck. Le booster Abyss Encounters. C'est le deck le plus facile à faire en étant free-to-play. Genre, tu le débutes, tu peux le faire assez rapidement. Hop, Mirmillo! Curious, ouais. Comment s'appelle le deck zombie qui tourne en ce moment? Vampire. On peut le faire à tout moment, faire 5000 LP contre un agent de sécurité ou faut faire un truc avant? À tout moment, tu peux faire ça. Deckbuster est fort ou pas? Il est correct. On peut faire Belly Letter si on est free to play. La plupart des decks sont faisables en free to play si vous investissez beaucoup de gemmes, hein, en soi. J'ai quoi face cachée déjà? Non, l'interruption, ça va pas être cool. Kenasia. Et du coup, c'est quoi face cachée? Droit d'aînesse? Eh ben, ça tombe bien. T'as pas de monstre normal au cimetière. Pour le deck Blue Eye Spirit, c'est mieux d'avoir raclé ou le skill d'Arcana? Oh, du coup, il a ça. Salaud! C'est mieux d'avoir raclé ou le skill d'Arcana? Je pense que le skill d'Arcana est meilleur. Hélène, quand tu as de la réussite, car j'ai enfin eu les 3 magies après 180 packs seulement. Ah oui, si t'as pas ce genre de chance, c'est compliqué. Boum, mur d'interruption, allez hop. Je suis DLV 13, je crois, là, actuellement. J'ai un deck L noir, tu peux m'aider en disant quoi faire? Je ne sais pas quoi te dire. Hop, on renvoie ça, on invoque Bestiary, on détruit son droit d'aînesse qui est face cachée. Et l'adversaire va bien rager. Vampire, ça va. C'est pas le plus cher, mon deck. Ok, on a gagné. En deck, c'est pas le plus cher. On peut reposer les cartes. Là, il se dit, bon, c'est impossible. Laisse-moi abandonner mon adversaire. Non, tu veux pas. Mais il veut pas. Ok. Boum! 1600. Boum! 2500. Salut Alex, je viens t'en parler. Feras-tu une vidéo sur l'article 13 qui menace de détruire toutes plateformes telles que YouTube, Twitch, etc. Merci de ta réponse. Je pense que les autres YouTubeurs en parlent mieux que moi. Mais en parleront mieux que moi et auront plus d'impact que moi, en fait. Et je partage les articles sur Twitter par rapport à ça. Je suis totalement au courant de ça. C'est extrêmement chiant. Casse les couilles, l'article 13. Mais voilà. Essayez, combattons l'article 13, mesdames et messieurs. Faisons en sorte que ce soit pas l'anarchie. Après, apparemment, c'est quelque chose où ça va mettre 2 ans à être mis en place. Donc, 2019 n'est pas encore la mort de YouTube. Et ça, je dis ça parce que, pour ceux qui. Pour ceux qui suivent Doc, et ce qu'il a aussi dit sur Twitter. Mais c'est quelque chose qui se fera sous 2 ans, tu vois. C'est pas quelque chose qui se fera dès 2019. Puisque. Et il est en contact avec des parlementaires pour ça, donc.
Mais il m'avait dit l'autre jour que c'était ouais, il essaie d'avoir un petit peu les avis de tout le monde avant de faire une vidéo. Pas faire un truc tout débile. Genre, ah, l'article 13, c'est pas bien. Il y a des pour et des contre, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contre. Yeah, j'ai gagné! Yes! Et oui, j'ai vu l'OP de God Eater 3. OMG! Ce jeu me hype tellement. Les gars, Day One, à moins qu'il y ait un séisme, ou que j'ai vraiment un empêchement que je ne peux pas décaler, bah, God Eater 3 dès la sortie sur ma chaîne, les gars. Let's play dessus dès la sortie. L'opening. Un roumain! Le jeu est génial. L'opening était vraiment. Enfin, le jeu est génial, j'en sais rien. Hier, il me hype. Mais en tout cas, l'opening est. Mouah! Oh yes! C'est trop. Oh, il est magnifique. Oui, c'est sujet à modification. C'est pour ça qu'il y a des. C'est pour ça qu'il y a une pétition qui tourne pour que pour que justement l'article 13 soit beaucoup moins sévère. Hop, on pose ça, on termine. En gros, les YouTube tirez, vous, avec tout la YouTube money, et produisez. J'ai rien compris à ça, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Il se passe quoi en 2020? J'ai pas suivi. L'article 13. Mais pas forcément en 2020, ça peut être avant, on sait rien. Tu as vu l'animé God Eater? Yes. J'ai bien aimé. Il y a pas mal de bonnes OST en plus pour l'animé. Donc de Ghost Oracle. Cell? Comment il s'appelle le. Je sais que c'est Ghost Oracle. Mais il y a un troisième mot. Je me souviens plus. Mais ils ont fait la plupart des. Des voilà. Ok, l'Aquarius. Ça a combien de points de défense? 1500. Tu as plus venu. Alors le problème qu'on va rencontrer là, on va faire une invocation normale, c'est que je peux attaquer une fois. Mais bon, je vais prendre des dégâts, ça je m'en fous, je vais prendre 600, ça, non, je m'en tape. Mais il va activer le mur miroir. Mais le monstre va retourner, je vais invoquer Bestiary, détruire l'une des deux cartes. Puisque quand il sera face recto, je pourrai pas attaquer, puisque sinon il va faire charge intrépide. Allez hop, on va taper. On va quand même taper. Ghost Oracle Drive, merci. Merci à ceux qui. Ghost Oracle Drive. J'aime beaucoup leur musique. Les OST qu'ils ont fait pour l'animé étaient vraiment cool. Mur miroir, ok. Non mais je prends 800. Ah oui, 800 même. C'est. Nevermind. Et on va terminer le tour, on va pouvoir activer l'effet de l'Aquarius, le renvoyer dans le deck et détruire l'une de ses backrows là. On va mettre Bestiary. S'ils avaient poursuivi l'animé, tu penses que le jeu aurait plus percé? Je pense pas. Hein. Ils ont fait exprès d'arrêter l'animé à ce moment-là. Surtout que c'est un petit peu différent quand même de l'animé. Du jeu, je veux dire. Et l'animé était là pour promouvoir le jeu de toute façon. Moi, ça m'a donné envie de jouer au jeu et j'y ai joué. Hein. Je suis plutôt content. C'est quoi les meilleurs thèmes de perso dans Duel Links pour toi? What? Nani? Nani? Ok, moins 500, mon monstre est détruit. On en est là. Hein. On en est là. Moins 800, mon monstre est détruit. Ok. Yes. Yes. Bon, on va mettre un Oplomac. Hein? On va mettre un Oplomac. OST de Duel Links, je dirais Lua est un très bon thème. Léo. Je crois qu'ils ont retraduit Léo, non? Comment ils l'ont traduit? Yes, bah vas-y, tape. Tape, tape, tape! Moins 400. Hop, on va le renvoyer dans le deck. Bon, qu'est-ce qu'on va invoquer derrière ça? L'Aquarius. Mais non, on va éviter. Equess. Murmilo. Hop, on va le mettre. Un deck à l'ancienne en face.
Tu as fait des LP sur God Eater 1 et 2? Oui, les gars! J'ai fait des LP sur God Eater 1, enfin God Eater Resurrection et God Eater 2 Rage Burst. Yes. Que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, bien sûr. Avec Suki. Ah, il va baisser l'attaque de mon monstre! C'est bien Léo. Ah ouais, ils ont rechangé en loup, en Léo. Et Lucas. Ah, non, ils ont mis loup à Lucas? Bizarre. Alors, on va invoquer Bestiary, et ça, c'est vraiment... Oui, t'as carte face cachée, on le sait, on le sait. Ça, c'est vraiment pour retourner mes deux monstres dans mon deck, puisque j'ai pas de Bestiary dans mon deck, et j'ai plus de Myrmillion dans mon deck. Alex, les cartes fossiles de gym existent en IRL? Non. Elles n'existent pas encore. Peut-être qu'ils sortiront les cartes un jour. Genre Cyber Angel, c'était exclusif... Enfin, c'était jamais sorti jusqu'à il y a 2 ans, je crois. Alors que ça date de GX. Alors, est-ce qu'il va attaquer avec la charge intrépide? Je pense bien que oui. Est-ce qu'il y aura des monstres X6? Est-ce qu'il y aura le numéro dans Yu-Gi-Oh! Duel Links? Il y aura des monstres X6 dans Duel Links un jour, oui. Connais-tu Tuaru Majutsu no Index, les gars? Les gars! Les gars! Bien sûr que je connais! Index! Raigun! Les gars, Accélérator! Les gars. Genre. Non, j'adore cet animé. J'adore cet animé. Bah, je suis en train de regarder la saison 3. Bon, même s'il y a quelques problèmes d'animation, où des fois les personnages sont moches, j'ai l'impression de regarder Black Clover, c'est horrible. Mais en vrai, non, j'adore Index. Pareil pour les cartes de Léo et Siegfried, ils les ont sorties dernièrement. Ah oui, Léo. Ce Léo-là, oui. Donc probablement, peut-être que... Oh là là, ce serait bien, un jour les monstres fossiles sur le TCG. Bon, par contre, faisons quelque chose là. On renvoie Equess. J'invoque Myrmillo. Hop, on tape là-dedans. T'as regardé beaucoup de... Non. Je ne regarderai pas ça. Je ne regarderai pas ça. Quoique, Aquarius c'est suffisant, non? Aquarius c'est bien puisque ces monstres ne peuvent rien faire, j'imagine. Les decks rituels c'est totalement mort maintenant? Pas forcément, s'ils nous sortent un bon archétype qui marche avec les rituels, pourquoi pas? Et aussi. Là, j'ai envie de dire, on a un booster qui est sorti il y a très peu de temps dans le TCG, la semaine dernière, les invocateurs cachés. Et j'ai envie de dire, faut bien faire gaffe à ce petit booster, puisque la dernière fois qu'on avait un booster de la sorte, qui était les Sauveurs des Ténèbres, eh bien, Konami avait rajouté les archétypes justement de cette box dans Duel Links, mais très peu de temps après. C'est-à-dire que dans les Sauveurs des Ténèbres, il y avait Mers Fourrure et Vampire, qui étaient bon, dans le TCG nul, mais dans Duel Links très fort. Tiens, on va invoquer Bestiary. Et là, ben, peut-être qu'ils vont rajouter. En soi, si, en vrai, les Prank Kids, ça pourrait arriver sur Duel Links en soi. J'ai pas vraiment étudié leurs effets, si ça se trouve, c'est peut-être trop fort, j'en sais rien. Les Mayakashi. Les Mayakashi seraient intéressants à avoir dans Duel Links. Parce que j'ai bien aimé le concept des Mayakashi. Et Neftis, le nouveau support Neftis de cette d'Aiden Summoners pourrait être bien aussi sur Duel Links. S'ils rajoutent pas tous les trucs pétés, bien sûr. Sur YouTube, ça parle de Boku no Pico, apparemment. Mais bon, ils sont bizarres sur YouTube, je sais, je sais. Il faut bien 3 l'Aquarius pour battre l'Aquarius car je n'ai pas de chance pour avoir les OSA. Là, je joue que de l'Aquarius par exemple. À la place de l'Aquarius, j'ai mis du troisième, j'ai mis Oplomac pour tester. Tu penses que s'ils mettent Kalut dans le deck Aile-Noire, ça pourrait être mieux? Ce sera forcément mieux. Est-ce que ce sera un excellent deck? Je ne pense pas encore. What the fuck? Le jeu a bug pendant l'activation de l'effet de Az yeux azur alors que je gagnais. Tout, j'ai perdu à cause d'un bug.
Ouais, peut-être que c'est juste une question de situation, qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas. NFTs, c'est Link et leur nouveau support. C'est rituel. T'as... Pour les NFTs, il y a deux Links. Ça, c'est sûr que ce ne sera pas sur Duel Links. Mais tu as beaucoup de rituels. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas rajouter des cartes monstres NFTs? Par contre, il faudra trouver un moyen d'avoir le Phénix Sacré de NFTs en dehors de la box principale. Enfin, de la box où on le trouve. Puisque ça va être chiant d'aller ouvrir cette box pour avoir 2-3 Phénix pour quelqu'un qui débute. Après, s'ils le mettent quand même, le deck sera pas ouf ouf. Lequel? Lequel deck? Yugi Muto 91. La star du Yugi Game français. Mon youtubeur préféré. Oh, Double Cyclone! Ok. Le cœur du milieu, bien sûr, comme d'habitude. Yes. C'est pas ce qui me gêne le plus en soi. Comme c'est drôle, certains decks sont ultra cheatés dans Duel Links mais ne valent pas un clou dans le TCG, vice-versa. Yes. Totalement. Totalement. Ah bah monsieur! Ah, mais... Ah non, je peux pas remonter le chat, c'est bien dommage ça. Je peux pas remonter le chat avec ce chat de merde de Restream. Donc ça va être compliqué. ouais. Oh là là, ça va être chiant. Ça sert à quoi de farm la casser, à avoir des gemmes? Faudrait quelle carte pour que le deck aile noir puisse être mieux? Beaucoup de cartes dont je ne saurais pas les noms. Toi, tu seras... 800... Oh, je suis obligé d'utiliser mes deux cartes si je veux garder mon monstre. Oh, ça va me foutre en l'air. Nuagien marche au TCG. Ah, oh, vite fait, hein. C'est un deck fun. Hein. Non, ça peut pas prendre kit, ça dépend un peu trop des monstres liens d'après moi. Ah, ok. Ah, puisque t'as quelques fusions, ou alors il après, si. Ah, s'il parle de Link dans les textes, ça va être chiant. Oh là là! Oh, deux esprits! Contrôleur d'ennemis! Mur miroir! Mur! Il perdra. Ok, on va mettre ça. On va mettre bestiaire en mode défense. On va terminer. Nuagien, Marceau, j'ai déjà vu. Non, ça j'ai déjà vu. Sabrix, c'est-il compétitif? Pas plus que ça. Il faut juste le Cintoc du cimetière pour aile noire. Non, puisque le monstre invoqué sera n'aura pas d'effet, donc ça va être nul. Bah, surtout que si aujourd'hui on a le synthétiseur du cimetière, il ne sert à rien du tout. Parce qu'en fait, il faut utiliser Vayu plus un monstre synthétiseur de notre cimetière pour faire une invocation synchro, mais le seul monstre aile noire niveau 8 qu'on a, c'est un monstre qui nécessite deux synthétiseurs, donc c'est un petit peu compliqué. Ouais, je peux pas invoquer par sacrifice, on s'en fout. Vous fatiguez avec aile noire quand même, je pense aussi, mais bon. Oh, qu'est-ce qu'il est chiant en face? Il joue tellement bien, ça me saoulait. Ça me saoule! Ça me saoule. Yeah. Tu penses qu'il y aura une limitation pour Kaladia sur Duel Links? Je ne pense absolument pas. Je ne pense clairement pas, puisque la carte n'est pas... Je la trouve bien équilibrée, hein. C'est pas une carte qui te fait changer une game. Genre, si elle pop, eh ben... C'est juste gênant. C'est pas, elle est pas si cheatée que ça. Elle est très utile, mais elle ne change pas le cours d'une game. En tout cas, elle ne retourne pas une game à elle toute seule, quoi. Et elle ne permet pas d'OTK. Bon, du coup, je vois plus. Ça, c'était un esprit, ça, c'est un contrôleur. Ok. As-tu fait un nouveau deck Bujin? J'en ai un dans mes decks actuellement, mais je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore présenté, il est peut-être pas forcément fini. Ténèbres ultimes, à l'envers.
Direct. Force de la noyade devrait être restreinte. C'est sûr que quand personne n'utilise une carte, faudrait du coup qu'elle soit limitée. Ah oui, non mais... Ouais, on est d'accord, Alec. Ça propose des limitations de cartes qui ne sont pas forcément nécessaires. On vous laisse passer, hein. Quel sera le prochain perso? Ce sera Jack, hein, les gars. Ouais, ouais, ce sera Jack. Les cartes arcane sortiront sur Duel Links, je n'en sais rien. Par contre, apparemment, il y aura quelque chose pour les 2 ans de Duel Links. On n'a pas vu ça dans les leaks, mais... Ah! Vous savez, hein, moi j'ai été chez Konami il n'y a pas longtemps. Il m'a pas dit ce que c'était, mais il a dit qu'il y avait un truc pour les 2 ans. Donc bon. À ce qui paraît. T'as que 400 points de défense, toi, petit bolos. Petit bolos de l'Aquarius. Yugimoto a cherché la carte dans ses bouquins, a lu la carte avec une loupe et a copié le texte mot pour mot. Cette musique de fond du Hellings bien française, il te faudrait juste du pain, du fromage et un béret pour être bien cliché, quoi. Allô. Tape-moi Gozuki, là. Ouais, utilise ton contrôleur d'ennemi, si tu veux. Oh, c'est vrai, il a sauveur bacon. Tu me saoules. Nul. Nice, les 2 ans. JP version, card sleeve, second anniversary game mat, second anniversary. Bon, bah, j'espère que ce sera plus que ça, hein, puisque... Bon, il m'a pas dit que ce serait un truc de ouf, il m'a dit, oh, t'as entendu... est-ce qu'il y a déjà eu des infos sur... Enfin, est-ce qu'il y a déjà eu des annonces par rapport aux 2 ans? J'ai fait, pas que je sache. Ouais, parce que normalement, il y a des trucs in-game, mais bon, voilà. qu'est-ce que tu me conseilles comme deck pour farmer Bastien le besogneux? Je peux t'inviter à aller sur le Discord. Je pense que tu pourrais retrouver des decks qui pourraient t'aider à farmer Bastien, puisqu'on en a proposé quelques-uns. Donc si vous faites point d'exclamation Discord dans le chat, Nightbot vous donnera le lien pour rejoindre le Discord. Vous êtes pénible en face. Monsieur, vous êtes pénible. Grâce à toi, je sais très bien jouer mon deck Dragonité. Ça fait plaisir, le Black Lotus. Tout le plaisir pour moi. Waouh. Du coup, ben voilà, point d'exclamation Discord. Et sinon, ben, si vous voulez vous amuser avec les emotes, les commandes, vous pouvez faire point d'exclamation Nani. Oh, il y en avait un autre au cimetière, j'avais pas vu. Oh, chiant. Bon, ben, on a perdu. On s'est défendu, mais son deck était très fort, genre, j'ai rien pu faire. Si vous voulez vous amuser avec les commandes, vous pouvez faire aussi... Voilà, point d'exclamation uTip, hein, c'est un moyen de soutenir la chaîne gratuitement. Hein, si vous voulez pas faire de dons, si vous voulez pas être abonné, si vous voulez pas devenir un pay-to-sub, vous pouvez tout de même soutenir financièrement la chaîne grâce à uTip. Vous allez dans le lien que Nightbot vous a mis dans la description. Vous pouvez regarder les pubs. Et bah moi, pour chaque pub que vous avez vu, vous avez regardé, eh bien ça me rapportera 5 centimes. Et bien sûr, ce sera de l'argent que j'utiliserai bah, pour les vidéos, hein, pour améliorer la qualité des vidéos. Puisque il faudrait qu'un jour, j'investisse dans une caméra. Puisque bon, les ouvertures, c'est bien sympa, mais les ouvertures en bonne qualité, ce serait peut-être un petit peu mieux. Mais bon. Ah, pour l'exclamation Dick Pic ne marche pas. Oh là là, cette subtilité dans la com du grand art. Mais oui, exactement. Je viens de commencer le jeu, je joue Sorcerer Alliance, c'est fort? Non, ce n'est pas fort. Ouh, les 5000 LP en face. Les 5000 LP! Bien sûr, ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez faire pareil. Hein. Il y a la même commande. Comment ça? Comment ça, je force? Absolument pas. Je joue le deck Gookie, le meilleur. Ouais, je pense que c'est un bon deck sur Duel Links. Oh, man! What is this? Sentinelle colonie de chrome, 1900 points d'attaque et un contrôleur d'ennemis.
Yes. Oh, ça va être chiant. S'il arrive. On est bien d'accord, hein, 1900 points de défense. Et si un monstre est invoqué par sacrifice, sur 5 ans. Tant que cette carte, vous pouvez invoquer normalement, on peut. Ok. Hop, on tape une première fois avec la Curious. On va voir s'il active son contrôleur d'ennemi. Bam! Continue. Les nouvelles de Jean-Tony? Bah oui, il fait des vidéos. Que dire de plus? Moi je l'ai eu en vocal vendredi, il était encore vivant. Je pense bien qu'aujourd'hui il était encore vivant, je lui ai parlé aujourd'hui. Allez, on termine le tour. Peut-on obtenir Mezuki ou pas encore? Non, on ne peut pas avoir Mezuki. Nanana. Ce serait compliqué quand même. Je dois utiliser mes gemmes dans quoi? Je suis nouveau sur le jeu. Abyss Encounters pour le deck alien. Mirbelo! En position d'attaque. Il devient quoi, Jean-Tony? Ça va faire 24 heures quand même qu'on n'a plus de nouvelles. Vous me saoulez. Vous m'épuisez quand même. Hop, on active l'effet de ça. Est-ce que le deck Amazonas est encore viable? Non. Pas sous sa ancienne forme. Hop, on va invoquer Bestiary. MDR, il fait moins de vidéos qu'avant. Il y a peut-être moins de temps. J'en sais rien, là, je sais pas, je regarde pas tous les jours ses vidéos, les gars. Après, si vous ne regardez pas son let's play sur My Hero One Justice, les gars. Eh oh! Il vous propose. Je crois qu'il fait 2 ou 3 épisodes par semaine, plus une ou deux vidéos sur Duel Links, c'est déjà pas mal, hein. 5 vidéos par semaine, les gars. Eh oh! Il se donne quand même, alors que. Bon, voilà, moi je fais une vidéo par jour. Et parce que je suis au chômage, je peux me toucher la bite, ça bon. Mais. Canadien. Mais bon, Jean-Tony, vous savez, il a des études. Donc il n'a pas forcément le temps pour faire une vidéo par jour. Canadien. Allez, dégage-moi ça. Je viens de commencer à jouer un peu au multi de Duel Links car j'y jouais pas, car j'avais pas de deck fort. Et j'y vais avec le deck de Yusei et je m'en sors bien. C'est un peu vague le deck de Yusei. Hop, Mirmillo. Oh. Vous me saoulez, vous êtes trop drôle. Jean-Tony, il a plus le temps et il s'occupe de sa boutique en ligne. Oh les gars, vous avez raté des choses. Si vous me suivez pas sur Twitter, vous avez raté des choses. JPP. Bah oui, non mais voilà, Jean-Tony TV qui a lancé la boutique en ligne, Jean-Tony TV sur Teespring ou un truc comme ça. Ah, c'est du goldé, hein, si vous voulez acheter un t-shirt avec le J de Jean-Tony dessus, mais les gars, allez-y. Si vous voulez acheter une coque avec l'emoji Janto What? Une coque de Samsung ou d'Apple ou iPhone, je veux dire. On a découvert ça. Puisqu'en fait, YouTube a un nouveau partenariat maintenant. Avec. Bon, c'est un équivalent de Spreadshirt ou tous les autres sites, vous savez, où vous avez juste à faire des designs de t-shirts. Vous pouvez vendre. Et bon, vous faites de l'argent comme ça. Et en fait, ça a combien de points de défense cette merde-là? Rien du tout. Rien du tout. Et en fait, YouTube, ils vont lancer dans quelques mois. Enfin, dans quelques mois. C'est déjà lancé normalement, mais c'est pas disponible pour tout le monde. Donc, par exemple, moi, j'ai pas accès. Mais en fait, à terme, on pourra. Sous nos vidéos, il y aura une sorte de banderole. Où en fait vous pourrez voir les t-shirts que l'on met en vente. C'est même pas que des t-shirts en fait, puisqu'on peut vendre des mugs, des coques d'iPhone, des coques de portable, des leggings, plein de trucs comme ça peut être drôle.
Un jour, j'essaierai de faire ça. Parce que genre, Jean-Tony, il a des coques et des t-shirts à faire, il n'a plus le temps, il n'a plus le temps! Et du coup, c'était... Un jour, peut-être! Du genre, mais... du même genre que le merch de Simo. Exact! En convention? Je ne sais pas. Où est-ce qu'on peut acheter des posters comme les tiens? En convention, exact. Moi, c'est surtout à la Japan Expo, mais je crois que dans toutes les conventions, t'as genre ce genre de truc. Toutes les conventions un petit peu japanesques, on va dire, t'as des stands pour ça. Hein. Forcément. Bestiary. Des culottes comme Sardoche. Ah, il n'y a pas encore ça. Et ça, j'en suis... Ah, voilà, une étagère, comme YouTube l'appelle. Une étagère. Hop. Tu conseilles le deck Cyber-Télébreux? C'est un deck plutôt sympa. À quelle heure la session abonnée? Je fais beaucoup de... Là, je vais faire beaucoup de KC Cup. Peut-être un petit peu avant 22h. Allez, encore un petit quart d'heure de KC Cup. Après, on fait la session. Leggings avec la tête sur le QXD. Mais ça, c'est de l'or. Il faut faire ça. Il faut faire ça. Ça a combien de points de défense, cette... Mouah! Mouah! Hop, on va attaquer avec les deux bestiaries. Hein. Au pire, pas de session à Beau, c'est surcoté, j'avoue. Et hop. Ah non, je prends 500. Je vais en faire qu'un seul. On le renvoie. On va invoquer Mermelo et détruire son monstre. Mermelo. Tu vas essayer le deck harpie? Le deck harpie, je vous le présente la semaine prochaine, mardi. Pour détruire ça. Quel est le meilleur deck de la méta? Vampire. Vampire, et j'avais dit que c'était quoi l'autre deck? Héros masqué. À quand la suite de ReZero? Rien à voir. C'est pas moi qui fais ReZero, donc ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Yes. Comment gâcher un contrôleur d'ennemi? Ça, c'est une bonne idée. Tu conseilles le deck Néo? Non. Néo, je pense que tu veux dire. En parlant du monde ténébreux, la transaction trigger les monstres monde ténébreux, mais pas cœur ténébreux. Parce que cœur ténébreux, c'est un coup. Et quand tu défausses un monstre monde ténébreux par un coup, ça n'active pas l'effet. Il faut qu'il soit défaussé par l'effet d'une carte. Et être défaussé en tant que coup, ce n'est pas être défaussé par l'effet d'une carte. Penses-tu qu'il faut nerfer Héros masqué? Peut-être qu'un jour ils vont le sortir, puisque ça fait quand même longtemps. Enfin, peut-être qu'un jour ils vont le nerfer, puisque ça fait longtemps qu'on l'a quand même en méta. Oh! Qu'ai-je fait? Débile! Bon, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Ouais, barrière mystique de vie. Bon. Hop, on va taper avec tout. Dragunité a-t-il sa place dans la méta? Je pense pas. Kappa Bear. Donc le chasseur de précision trigger. Je ne crois pas. Non, 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 non. Puisque c'est un coup. C'est encore une fois, pour activer son effet, tu défausses une carte. What? Ah merde, j'ai pris des dégâts. Je suis débile. Invoque ta fusion. Nya. Nya. Retirius. Tout d'abord. Merde. J'ai pas pensé que je n'avais pas de Mirmillor. Hop, Mirmillor, reviens dans mon deck. Nul, nul, nul. Bastiary, yes. Le deck qu'il devrait brider, c'est les decks avec Magicien Silencieux, mais comme c'est un deck pay to win, ou plutôt comme c'est un deck qui n'est pas utilisé, non. Cet homme perd deux Bacro car il voulait pas invoquer Nerocus, ça tourne mal. Ouais, c'est vrai que je pouvais éviter ça. Hein. Mais bon, ça c'est pour les faibles. C'est pour les faibles, ça. C'est quoi quand on dit un deck à fort potentiel? C'est un deck qui est potentiellement méta. Mais il faut... nécessite plus de résultats pour que le deck
plus de résultats en compétition pour que le deck soit confirmé comme étant un deck méta. Comptes-tu réactualiser certains decks fun que tu as présentés en vidéo? Type deck meule. Ben, s'il y a du nouveau support, oui. S'il n'y en a pas, non. Ok. Bon, ça détruit. Canadia. Ou alors si je suis dans une vraie période creuse, comme j'avais fait pour le deck Exodia, j'avais pas vraiment d'idée de ce que je pouvais faire comme deck. Et du coup je me suis dit, bah tiens, on va faire un deck Exodia. Hop hop hop. Pourquoi Chasseur de Précision fonctionne pas mais Transarc Démon oui? C'est aussi un coup, non? Faut relire exactement l'effet du. Faut relire exactement l'effet du Transarc Démon, mais il me semble qu'il y a une nuance. Bon, il y a forcément une nuance. Si ça marche, je sais qu'il y a une nuance. Bon, ça va, hey. J'ai quand même bien avancé des LV15. Du coup, il me reste encore. Ah non, ça c'est les victoires. J'ai encore 600 gemmes obtenables hein, en faisant ça, donc c'est plutôt rentable de faire tous mes duels. Non, transaction, tu pioches, puis défausses les autres. C'est tu défausses, plus tu actives l'effet. Il me semble qu'il faut un point. C'est une histoire de point-virgule, les trucs comme ça. Faut que je revoie l'effet du Transarc Démon. Tiens, je vais regarder ça vite fait. Transarc Démon. TK expert. Qu'est-ce qu'il y a? 23 cartes. Qu'est-ce qu'il y a? Posez ça. Poser ça. Et on va mettre Equest. D'ailleurs. Et on va terminer le tour. Vuela. D'ailleurs, je vais refresh ça. On est combien? On est... Oh, 229 sur YouTube et 12 sur Twitch. Nice. Une fois par tour, vous pouvez défausser un monstre de type démon. Et si vous le faites, cette carte gagne 500 points d'attaque. Gawain. J'ai quoi face cachée? Mur d'interruption. Le problème, c'est que s'il a la carte pour détruire les cartes face verso, c'est chiant. Donc hop, allez, ça dégage. Et ça a combien? 500 points de défense, c'est useless. Il y a une différence comme ça. Une fois par tour, vous pouvez défausser un monstre de type démon. Oh, et si vous le faites, il gagne 500. C'est pas tu défausses pour activer ça, c'est. Bah, si tu défausses, oh, bah, si tu le fais, ton monstre gagne 500. C'est toute petite. Genre voilà, c'est vraiment quelques. Une toute petite pichenette, on va dire. Je ne trouve pas le mot. On va mettre ça en position d'attaque. C'est une toute petite nuance, voilà, qui change tout. On tape avec ça. Que fait Télépathie SVP? À partir du troisième tour, tant que j'ai plus de 3000 LP, je peux voir les cartes face verso de l'adversaire. Terminer le tour. Hop. Il voit les cartes face cachées s'il a plus de 3000 LP, je crois. Yes. C'est ça. On met l'Aquarius en position d'attaque. C'est pas une obligation, la défausse pour Transarc Démon, donc c'est pas considéré comme un coup. Mmh. 1900 points d'attaque. Galatin. Ok. Oh non, ça va faire égalité. Oh non, il va être supérieur. Tu peux faire le deck Reptilia quand j'aurai la deuxième. Comment ça s'appelle la ultra rare? Mais dès que j'en aurai un deuxième exemplaire, puisque là j'en ai qu'un seul. Tu vas faire les duels versus Sabo? Ouais, après je fais ce duel, un autre, et après on fait les duels versus Sabo. Eh bah tiens, un synchro Genex de type vent et tier 0. On va cibler ça, on va le mettre en mode défense. On va invoquer ça. Reptilia plus soldat sacré, c'est sympa. Faudra voir. Vaskichan. Vaskichan. Tu fais quoi toi, débile? Ah, tu récupères ta magie d'équipement. Yes. Tu penses quoi du deck de Bastien de l'Event? Comment ça, je pense quoi du deck qu'il utilise? Deck qu'il utilise? On s'en préoccupe pas en fait. Je sais pas.
Gros problème, j'aurais pas dû le renvoyer, j'aurais dû le garder, puisque là c'est pas très utile. Retiarius. Naibot, encore une fois, vous partage la chaîne de rediffusion de live. Si vous voulez revoir par exemple ce live pour voir les moments que vous avez ratés ou vous voulez voir je ne sais quelle autre chose, eh bien vous pouvez aller sur ma chaîne de rediffusion Alexu qui VOD Live et vous abonner. Comme ça vous serez au courant quand je publierai la rediffusion de ce live. Bon, déjà normalement il y aura la rediffusion du live de demain, il y aura la rediffusion du live de vendredi sur My Hero One Justice. Mardi, comme je fais un live, forcément, ben, je ne vais pas mettre de rediffusion en même temps. Ce serait un petit peu pas bien. Pas très logique. Hop, Kennedy. Hop, on pose ça. On termine le tour. Mais du coup, par exemple, cette rediffusion-là sera mercredi normalement, je pense. Tu vises la place au championnat du monde avec la Castle Cup? Ouais, exactement. Mince, j'avais oublié ça. Boum, Canadien. Ouais, mais moi c'est en mode défense. Je viens de commencer le jeu. Yes. Oui, son deck avec Chariot de Feu. Joue le deck à Sylvan pour voir s'il est aussi fort que ce qu'on dit. Non, le deck Sylvan n'est pas si fort que ça. Après, je peux. Si vous voulez, je vous le joue en session, mais pas là. Allez, dernier duel avec Bedgladiator, après on passe à la session, ok? Let's go. Mais je sais pas quoi faire comme deck. Bah tu es justement sur une chaîne qui te permet de voir différents decks pour te donner une idée de quel deck tu voudrais bien faire. En allemand! Est-ce que tous les YouTube Yu-Gi-Oh! Se connaissent entre eux? Hein? Est-ce que tous les YouTube Yu-Gi-Oh! Se connaissent entre eux? C'est très bizarre. Je pense que c'est ta phrase qui est très bizarre. Comment on débloque ton Lucas, s'il te plaît? Il faut faire 100 victoires avec Léo. Enfin, Lua, je veux dire. Et non, ça, j'ai déjà vu. Mais je veux dire. C'est bizarre de vous dire ça. Après, des youtubeurs Yu-Gi-Oh! J'en ai rencontré quelques-uns quand même grâce à Konami. On a pu se rencontrer dans leurs locaux. Bon, je veux dire, j'ai déjà vu Dragon Blanc 57, la Team Exceed, Doc Seven, Lama le Crasher, Yugi Muto 91, Anthony, The Pro Yu-Gi-Oh! Alex Yu-Gi-Oh! MDR, Nelo. Est-ce que j'en oublie? Xarai, c'est pas vraiment un youtubeur Yu-Gi-Oh! Ok. Xari. Nutiteuf. J'en oublie peut-être. Bref. Je te conseille pour commencer le deck alien, il est free to play. Tiens, d'ailleurs, Alexuki a fait une vidéo dessus. Clin d'œil. Salut, avec ta test reptilien un peu ou pas? Ah, si vous voulez, je vais réutiliser le deck reptilia. Oula. Oh là là! Ça c'est pas appréciable ce qui se passe devant mes yeux. Ouais. Dans leurs locaux, dans une salle étroite, exact. Ouais, Elec aussi, hein, je l'ai vu. J'ai vu ses énormes seins chez Konami. Terminer le tour. Bon, on va rester comme ça, hein. Après, il joue plus de cartes dans son deck, donc ça va être un petit peu compliqué. Ultra jeu. Nier. Soutenez la chaîne gratuitement grâce à l'Utip. Exactement, Nightbot, tu as raison. Correcteur automatique de celui. Mon miroir. Ah. En fait, là, j'ai juste à attendre d'avoir un Hérocus. Et je passe son terrain, mais. Mais là, ça va être un petit peu long. Sauf que le problème, c'est que. Il va jouer Golem de Lave.
On est d'accord qu'il va jouer Golem de lave dans ce deck de mort. N'est-ce pas? Point d'exclamation, Alex Yuki VOD. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est point d'exclamation rediff avec deux F pour la chaîne de rediffusion de live. Vous en pensez quoi du deck L noir, vous? C'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, mais c'est pas ouf. Parasite, surtout avant 3 GB surtout. Ouais, non, voilà. Le golem de lave, bien sûr. Et là. Oh là, ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Trapvan. Hop, 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 hop. C'est de la merde? Mais non. Les gars, L noir n'a pas de potentiel d'OTK. Le seul bon côté d'L noir, c'est que, bon, ça peut spammer un petit peu le board. Oula, parasite! Parasite, parasite, parasite! On va perdre 1000 points de vie. On va remettre Crabvan. Retirius. Le seul point positif pour le deck L noir, c'est que ça peut invoquer facilement des monstres et faire des invocations synchro, mais vu que les monstres synchro de ce jeu sont pas ouf. Bah, tu ne vas pas. Ce point-là n'est pas bon. Et ils sont très faibles face au back-row. Donc, c'est mort. T'as aucun effet de L noir qui détruit des cartes sur le terrain adverse. Et c'est très chiant. Et t'as pas de potentiel de TK. Donc. Et non, le deck L noir n'est totalement. N'est absolument pas free to play. Ouais, bon, terminer le tour, hein. Retirius est vraiment fort, Retirius est très utile pour retirer du jeu des cartes du cimetière adverse dans cette méta. Trapvan. Hop, ça aussi. Oh, j'avais oublié qu'il y avait les épées Amazoness. Parasite, parasite. Oh, du coup, il bloque tout mon terrain. Je peux même pas faire une fusion. Je ne peux même pas faire une fusion. On va poser ça. Bon, du coup, c'était censé être la dernière partie de Ranked, mais ça va être long. Hein. Salut, il n'y a pas de Yu-Gi-Oh! Sur l'ordi, il y a Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Qui est pas si mal. Pour 20 €, c'est pas mal, on va dire. T'aurais joué Yubel, t'aurais clean le board. Oui. Ceci est vrai. Ah bah oui, vas-y. Ah bah oui, vas-y. Invocation du golem de lave. Le golemu de lave. Ah, du coup, je vais prendre 1000. Je vais prendre des. Ah, c'est chiant. Ah, c'est chiant. Ouais, gros, je suis pas sûr. Ouais, mais t'achètes pas les DLC de Legacy of the Duelist, ça sert à rien. Faut absolument pas les acheter. Bon, du coup, je vois plus ces cartes face cachée. Ouais. L'Aquarius. Mesdames et messieurs, je suis confiant. Je suis confiant. Terminer le tour. Tu joues à Dueling sur PC ou tel? Bon, les gars, les gars, les gars. Je veux bien. Vous savez, j'ai déjà fait un tweet par rapport à ça. Je veux bien répondre à vos questions. Après, je sais pas si tu me dis en général tu joues sur PC ou tel. Mais si là, la question c'est. Et là, t'es en train de jouer sur PC ou sur le tel? Je suis en train de bouillir là! Non, mais les gars. Ouvrez les yeux! On va sacrifier lui. Gimme la sword! Oui, sword. Bon, allez. Allez, give me l'épée là. Give me l'épée. Voilà, bien. Deck à hommage viable ou pas? C'est viable. Après, compétitif, non.
Ananta dans un deck alien, il y a eu des combos spéciaux. Ça passe un Ananta dans un deck alien. Oui, mais sur tablette par exemple, est-ce que l'interface. Il y a l'interface PC, il y a la place. Non, je suis pas vraiment sûr qu'il fasse ça. On va pouvoir poser. Hop, terminer le tour. Non, sur tablette, il n'y a pas cette interface-là. C'est vraiment que sur PC. Dommage. Des 15 hectares plus rien les cocons. Et j'active mon contrôleur d'ennemi encore une fois. Boum, sacrifier un monstre. Je sacrifie lui. Détruis ton golem avec Icon Take. Oui. C'est ce que je compte faire. Voilà, bon. Maintenant. Je suis nouveau joueur, un deck à me conseiller, le deck. Le deck alien. On va mettre miroir. Et on va mettre Bestiary. Et je pense que de toute façon j'ai perdu à cause de l'épée là. Elle est trop chiante. On termine le tour. Je m'abonne, t'es le meilleur youtubeur Yu-Gi-Oh! Merci à toi, Black Lotus. Salut, Yamete Kudasai sur Twitch. Ah, et l'adversaire se laisse faire. Et Canada! Ouh! Je suis en train de bouillir. Je suis en train de bouillir. Terminer le tour. Non, c'est Jean-Tony avec ses 70 000 abos. Le deck alien free to play est toujours aussi bien ou il se fait contrer maintenant? Non, il est toujours aussi bien. Enfin, il n'est pas aussi efficace qu'à l'époque. La méta s'est bien améliorée. Mais je veux dire, si tu veux passer platine, voire légende avec un deck comme ça, c'est totalement faisable. Bon, merci mon adversaire de m'avoir laissé un petit peu le temps de, voilà, poser Caladia, mettre ton monstre en mode défense. Plaise. Salut le deck héros masqué, t'as réussi à l'avoir juste avec des gemmes ou tu l'as acheté avec du vrai argent? Avec du vrai argent. À quand un nouveau bon deck Horus? J'ai commencé avec Horus petit, mais ça me dégoûte qu'il soit si oublié. Le mec, il a trop de cartes. Mais Canidia! Donnez-moi des monstres! Give me the monsters! Bon, ça c'était quoi? Chirurgie ADN, mur de l'interruption, et ça, qu'est-ce que c'était déjà? Bouclier à pic avec chaîne. Qu'est-ce qui serait plus chiant? Ok. Ok, vas-y, 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 vas-y. En soi, je vais prendre les dégâts. Cette fois-ci, je vais laisser passer. Je vais juste mettre un mur miroir. T'as rien d'autre à activer de toute façon. Non, non, y a rien d'autre à activer. Je vais lui mettre le mur miroir, comme ça je vais pouvoir tag out. Qu'est-ce que je pourrais tag out? En vrai, y a rien. Parce que j'ai pas d'autres bestiaries. Mur miroir. Mur miroir, vas-y. Perds la moitié de ton attaque. Equess. Ouais, c'est vrai, qu'est-ce que j'ai au cimetière? Je sais même plus ce que j'ai au cimetière, mais je pourrais invoquer Equess. Et tu fais une fusion ensuite. Mais oui. Comme ça, je serais. Enfin, je pense que j'ai un petit peu 100% de chance d'avoir un monstre balayateur au prochain tour. Mais c'est vrai qu'avec Equess, je l'ai à 100%. À 200%. Virer la deuxième épée comme ça. Ah non, ça va, ça va. Equess, du coup, ça va remélanger le deck. Ok. Retiarius. Retiarius peut être bien.
Par contre, ouais, le parasite va être chiant à un moment. Fusionne et gagne par deck out. Mais je vais surtout dégager toutes ces cartes face cachées là, qui sont chiantes. Invoque une synchro pour que je voie STP. Ça va être compliqué si je ne joue pas l'extra de cartes synchro. Bestiary. Eh ben, on va mettre Bestiary. Hop, invocation. Bon, toutes tes cartes là, elles servent à rien. Vas-y, fais toggle off. Elles ne serviront plus à rien. Invocation spé. Hop, on met Nerokius. Hop, hop, hop. Allez, on renvoie tout ça. Est-ce que vous pensez que je détruis son back row ou est-ce qu'il est bloqué à vie là? Je sais pas pourquoi, mais je sens mal. Garde ta fusion. Garde ta fusion et garde-la. Elec! Les conseils d'Elec! C'est quoi le mode auto en bas à gauche? C'est le mode d'activation. Bloqué à vie. En plus, j'ai 226 secondes, donc ça va. Elec! Oh. Elec qui est parti regarder à Entai, là ça me saoule. Elle pense quoi, Entai? Ça me saoule. Non. Vous savez quoi? Moi, je suis là pour m'amuser. Jamais là quand il faut, Elec. Ouais, je pense bien. Ouais, je vais bien. Bon. Ah bah, allez, on va aller chercher ces cartes. Hein. On va aller chercher toutes ces cartes. Boum! Allez, on dégage ça. Et on termine le tour. Alors, Nerokius. On reste comme ça jusqu'au deck out. Mais moi, voyez, moi, je suis un homme. Un vrai. Et je vais mourir avec un parasite. Vous allez voir, ça va être tellement drôle. Donc, je vais détruire ça, son putain de bouclier. Et le mur de l'interruption. Mais moi, les hentai, c'est la vie. Mais pas quand j'ai besoin. Après, je mets un Canadia s'il y a encore une épée. Mais bon, l'adversaire va me reposer deux cartes. Moi, je vais réinvoquer Retiarius et je vais refaire des invocations fusion. Ça combat tout seul avec le mode auto? Mais non! C'est par rapport à l'activation, en fait. Puisque, par exemple, si je mets non, si l'adversaire attaque, ça va pas me demander si je veux activer le mur de l'interruption. Oula. Parasite. Il y a un petit parasite qui se balade, là. Joue le deck, joue le deck, joue le deck! Ok, ok, je vais jouer le deck. Oh là là, vous êtes un petit peu soupolé, hein, le chat. Oh là là, calmez-vous. Oh là là. Boum, 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 boum. Alors, on va mettre ça en position d'attaque. Et genre, si c'est en oui, ça va toujours me demander si je veux activer les effets, s'ils sont bien sûr réalisables. Là, c'est en mode normal. Auto, c'est en mode normal. Et on termine le tour. Ok, il a de la ressource dans sa main. T'aurais dû garder... Ok, ok. Allez, vous allez voir quand il va me sortir des trucs tellement bizarres qu'on n'a jamais vu. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Qu'est-ce qu'on m'a dit? Garde Nerokius, n'attaque pas avec... Plus jamais j'écoute le chat. Plus jamais j'écoute le chat. Mais garde ton Nerokius quand même. Il est beaucoup mieux sur le terrain. L'adversaire ne peut rien faire. Oh, le chat! Oh, le chat! Oh là 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 là. Ah, vous me décevez. Ah, vous me décevez. Ah, c'est pas de ma faute. Oh. Oh. Canadia, come forth.
Ça va, il te reste 50 LP. Mais non, ça ne va pas! Ça ne va pas s'il me reste 50 LP! Allez, en position d'attaque. Ils l'ont fait exprès pour faire la session à Beau plus vite. Ah, il va continuer à attaquer. Ouais. J'aurais dû le mettre en mode défense d'ailleurs. Puisqu'il veut libérer une place sur son terrain. Toujours la faute des viewers. Bien sûr, genre les viewers, c'est toujours leur faute. Ah. Ça me dégoûte. Oh, Flakerius. Oh, un petit parasite qui traîne. Yes. Le petit parasite. Hop, on place ça en position de défense. On place ça face cachée. Termine le tour. Tour 28, presque aussi long que dans l'animé. C'est RP, moi je dis. One Piece ou Naruto, aucun des deux. J'ai regardé aucun des deux. Je dirais plutôt jamais la faute soi-même. Non! L'insecte mangeur d'hommes. Mais c'est quoi ce deck? Quoi? Mais nani! Wait, j'ai eu le temps d'AFK. Était encore sur ce duel, JPP. Non mais justement, Elec, je voulais tes conseils. C'est-à-dire, est-ce que je gardais mon Hérocus face recto et que je n'attaquais pas, comme ça je pouvais tempo l'adversaire? Ou est-ce que j'attaquais avec? Et bien sûr, le chat m'a dit de ne pas attaquer. Et l'adversaire m'a sorti un Sazank. Et s'il ne l'avait pas, il avait aussi l'insecte mangeur d'homme, donc c'était génial. Man Eater Bug sur Canadia. Et oui. Hop, et mur de l'interruption. Elec, nous avions besoin de toi, où étais-tu? Devant ces hentai. J'ai eu le temps de battre tous les bots du monde du duel 5D. Bon, tu le termines. Ça va, c'est pas trop compliqué. Bon, par contre, il va y avoir un truc chiant, et c'est ce parasite parasite. Il va être un petit peu chiant en soi. En plus, ça va être en mode attaque. Ce qui est encore plus chiant. Bah non, je vais le laisser comme ça en soi. Ah oui. Ah bah non, ça va me faire 300 à chaque fois. Donc c'est létal. Donc il faudra que je fasse Canadia. C'est compliqué. Tu as perdu. Je crois en l'âme des cartes, mesdames et messieurs. Donc, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quoi. Ouais, je sais pas comment ça va se terminer. La vague golem, et c'est fini. Il m'en a déjà sorti deux. Donc, je ne suis pas. Oh! Il y a une phase. Yes. Bien joué ça. Oplomac. Est-ce que l'adversaire sait que s'il attaque, ça mettra... Ouais. Oui. Terminer le tour. Golemu. 33 tours. J'y peux rien, ok? C'est la KC Cup. N'oublions pas que c'est une... Ça, c'est une chirurgie ADN, et ça, c'est encore une épée, hein. Ah, l'adversaire qui a compris qu'il pouvait attaquer avec son épée. Donc on va mettre ça en mode défense. Tu vas le gagner à la meule. En soi, je crois que oui. Je crois que je l'ai, là. Et quoi est-ce? En soi, je crois que je la gagne, là. À moins qu'il me fasse encore un move de l'infini. Genre, si il me sort un monstre à sacrifice... Puisque là, il va devoir faire... Il va devoir attaquer avec l'épée sur mes deux monstres. Et c'est le seul monstre qui peut attaquer ces deux tours-là. Et ça lui bouffe ses deux pioches. Je pense que j'ai gagné.
Il a la carte pour récupérer 5 cartes dans le cimetière. S'il fait ça, j'abandonne. S'il fait ça, j'abandonne comme... Genre aussi vite que je peux. Alors en vrai, je peux même reposer d'autres monstres en mode défense. Il y avait la trappe invisible. Mion miroir, yes. Yes. Toi, t'as combien? 1200, 400. Poser ça. Hop, terminer le tour. Non! 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 Non, j'ai ruine! Ah. Si... Non, 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 non. S'il a le bouclier à pic avec chaîne, je vais me... Non! Ah non, s'il a le bouclier à pic avec chaîne, j'avais oublié! Non! En fait, s'il attaque avec... Non! Ah, oh, je crois qu'il l'a. Oh, il a le bouclier à pic... Non! Oh, j'avais tellement oublié, quel débile que je suis! En plus, si ça se trouve, ils sont tous les trois au cimetière. Je crois qu'il y en avait au deux. Va-t-il y penser, Bob? Mac. Et là, s'il me sort la carte pour récupérer les cartes depuis son cimetière, j'arrête le live. J'arrête le live. Non, c'est bon. J'ai gagné! J'ai gagné! Bon, cette partie aura duré 20 minutes, les gars. Je crois qu'elle aura vraiment duré 20 minutes. Quel est le but de ton deck, Alexuki? Contrôler le board. Attaquer avec mes monstres médiateurs, les renvoyer dans le deck pour réactiver les effets. Nightfire vous a envoyé un bien joué. Yes, bien joué. Bien joué toi aussi. J'aimerais bien te renvoyer un bien joué, mais c'est dommage. Non, quoique, tu joues un deck le pire des trucs, donc voilà. Envoie un GG. Non. Il joue un deck de mort, je vais pas lui dire GG non plus. J'espère que le monsieur en face sait que son deck lui fera marquer environ 2K points par jour durant le deuxième stage, tellement c'est long. Ouais, c'est le pire des trucs. Mais de toute façon, ils visent même pas la deuxième stage. Quel deck j'avais modifié, que je voulais présenter, et c'est le deck Spirit. Je veux utiliser le deck Spirit en session. Du coup, pay to sub. Il y avait Benjamin qui était là tout à l'heure, mais je ne sais pas s'il est encore là. Session de duel. Créer une session à 30 personnes. Oh merde, c'est vrai qu'il faut faire comme ça. 30 personnes. Bonne chance, allez, on s'en fout. Hop. Donc d'abord, priorité au pay to sub. Bon, s'il le faut, je rajouterai un petit peu de temps de live. Vérifier la session. Copier idée de session. On remet ça. On remet le jeu. Tout va bien. Tout va bien. Ensuite, on envoie dans les pay to sub. Voilà. Donc, les pay to sub qui sont présents actuellement sur le chat, vous pouvez rejoindre. Regardez sur le Discord, je vous ai mis l'idée. Salut, Suki, j'adore ton stream. J'aimerais jouer Rex Raptor avec des dinos préhistoriques. Qu'en penses-tu? Merci beaucoup, continue, t'es génial. Alors, l'archétype préhistorique. Et donc voilà, Tenebra pay to sub, la personne qui utilise, qui a un abonnement payant à la chaîne. Avec des dinos préhistoriques, tu parles de l'archétype préhistorique, c'est faisable, totalement. Après, comment le construire, ça fait longtemps que j'ai pas joué préhistorique. Je crois que j'ai fait deux parties de préhistorique sur Duel Links, donc je sais pas comment le faire. Point d'exclamation, helpers. Comment participer? Donc là, pour l'instant, c'est la première partie de la session contre les abonnés. C'est-à-dire que là, je fais passer en priorité ceux qui sont pay to sub, c'est-à-dire ceux qui ont l'abonnement payant YouTube à ma chaîne, c'est-à-dire qui me rémunère 4,99€ par mois via le système de membre ou comme moi je l'appelle pay to sub. Donc ça, c'est... Vous pouvez devenir pay to sub au-dessus du chat sur YouTube ou dans la description. Et après avoir affronté tous les pay to sub,
je passe à la session contre les abonnés, c'est-à-dire contre ceux qui sont totalement free to follow, free to sub, on va dire. On va poser ça, on va poser ça, on va poser ça, et on va terminer le tour. Hop. Y a du nouveau support L noir avec les tickets SR. L'archétype ne vaut toujours pas le coup. Comment ça, du nouveau support avec les tickets SR? De quoi tu parles? Oh oh, là je perds tout mon backro. Génial. On adore, on adore. Streamhack! Hop. Canadia Paléozoïque. Et hop, ça s'est mis en mode défense. Comme ça, ça pourra pas détruire mon autre carte. Et je pense que ce que tu as dû voir en support L noir dans les tickets SR, c'était peut-être les cartes de drop de Crow. Sinon, je ne sais pas. Et Trapvan! Pay to sub, pas supérieur Shinigami. Shit. YouTube Premium aussi te rémunère, n'oublie pas que je fraude tes pubs. Oui, mais... Oui, YouTube Premium me rémunère. Et c'est sans frauder... Enfin, oui, en fraudant les pubs. Oui, ok, oui. Oui, en effet. Hop. Yes, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. On pose ça. Et j'invoque Divinité Yemetsu. En position d'attack. Ok. Je passe à la battle phase. J'active mes flèches anti-magie. Ah ah. Et j'attaque ta harpie de mes deux là. Et j'active l'effet de divinité Yamato qui me permet de détruire une carte magie ou piège sur le terrain. Donc je détruis celle-ci et je termine mon tour. Bon, par contre, j'y reviens dans ma main, c'est chiant. Si je réussis à t'affronter, j'utiliserai un deck Yusei. Oh mais non! Mais... Oh! Oh non! Je me sens volé! Je me sens volé! Hein? Ça active pas l'effet si c'est flip? Ah bah de toute façon, ça prend la main. Oh non! Je me sens tellement volé. C'est quoi ce top deck, sérieusement? Terrain de chasse des harpies. Joue contre nous avec le deck fusion contact, je suis même pas sûr de l'avoir encore ce deck. Spirit plus herbe à l'air plus verte. Ouais mais y'a que Divinité Yamato, je suis pas sûr que ce soit vraiment rentable. Izanagi. Izanagi. On retire du jeu ça, boum on met les Izanagi en position d'attaque. Et on va tenter l'attaque. Oh, si c'est un mur d'interruption. Oui, ou ruine étendue. Alors, on va mettre Canadia. Joue avec le deck L noir, on aura une chance. On pose du coup. Et on termine le tour. C'est un deck fun, ce que je... Ce que nous avons là actuellement, c'est du fun, ouais. Il faut packer dans quoi quand on débute? Abyss Encounters pour le deck alien. On va faire une carte face cachée. Danseuse harpie. Réinvoquer. Qu'est-ce qu'il veut détruire face cachée là? Ah, il veut peut-être détruire une tornade violente. Son propre Canadien. Il a tellement pitié de moi. Que je joue, ouais, c'est plus un, c'est vraiment un deck fun et c'est pas le meilleur des decks, quoi. Terminé. La grue. Oh yes! J'invoque la grue Shinobizo! Yes. On tape là-dedans. Et on termine notre tour. Et la grue Shinobizo revient dans notre main. Bon! On s'en sort pas trop mal. Ça lui apprendra à faire du BM, à détruire ses propres cartes. Faut que tu le mettes dans la description, deck alien free to play, bien pour commencer, plus lien de la vidéo. Mais en soi, si... En fait, vous avez juste à taper deck pour débuter ou deck free to play Yu-Gi-Oh! Duel Links sur YouTube, je pense que vous le trouvez.
Yes. En fait, Damar Pi 1, elle a combien de points de défense? Je crois qu'elle va avoir 1006. Attendez, j'essaie de remonter. Là. Elle va avoir 1006 avec ça. Bruit Shinobizo. Donc on va retenter. C'est la battle phase. Ferme-la. Le plus fun, c'est de s'en créer. Yeah. Pourquoi lyncher comme ça les personnes qui aiment jouer L noir sur Duel Links? Laissez-les, c'est for... Laissez, c'est forcer tranquille. Laissez, c'est forceur tranquille. Si je pioche une divinité Yamato, ce serait plutôt pas mal au prochain tour, puisque ça me permettrait de piocher. Là, Izanagi. On va retirer du jeu la grue. Et on invoque Izanagi. On va attaquer. Problème, c'est que ça peut être la carte piège qui permet de réinvoquer, de spammer le board de Damar Pi. Mais ça pourrait être aussi une ruine courante. On a vu qu'il en avait. Ruine étendue, peu importe. C'est peut-être pas ça alors. Il aurait fait sinon. Force de miroir, yes. Hop, on tape. J'ai fait pas de deck que j'ai partagé, mais je ne sais pas comment tu peux aller les checker. Visage oiseau, il va aller chercher la reine harpie, j'imagine, encore. Ah, mais non, la reine harpie n'est pas une dame harpie dans le deck. Donc il peut pas aller chercher. Tu attends la génération X6, toi? Tout ce qui fait évoluer le jeu, oui. Donc pourquoi pas? Pas impatiemment, mais quand ça arrivera, je serai content. Les monstres X6 dans Duel Links. Tu connais bien sûr GTO. De nom. De nom, je connais, j'ai jamais regardé. Ok, donc DMRP, une face cachée. Tu présentes quoi cette semaine? Ben, le mardi, le deck harpie. Et après, ben, plus tard dans la semaine, je ne sais pas encore. Ouais, il a une ruine étendue. Là. Cyclone cosmique ou cyclone galactique? Les deux se valent, ça dépend le deck. Si tu joues un deck qui n'est... qui... Enfin, si tu joues un ski, un deck qui utilise un skill qui nécessite de perdre des points de vie, ça peut être plutôt utile. Continue d'attaquer, oui, sur ça. Hop, on termine le tour. Et du coup, pour plus tard dans la semaine, soit Spirit, soit Reptilia. Un des deux. C'est quoi pour toi le meilleur deck? Pour l'instant, les meilleurs decks, ça va être Héros Masqué et... Oh non, pas terrain de chasse, mais sérieusement. Le moment où j'ai le plus besoin de mes backrows, il top deck une run harpie, quoi. Sérieusement. Ah ouais. Trois terrains. Ah ouais. Toujours d'actu le deck rouage, non? Bon. Canadien! Hop, allez, ça met ça en mode défense. Et on prend 100. Bon, mon troisième... Non. Emilia Gishki. J'ai perdu. C'est quoi le TKO One Turn Kill? Battre l'adversaire en un seul tour. En fait, Héros Masqué, c'est trop chiant. Son potentiel de TK est juste insane. Genre 3 monstres à 2800 en un tour, trop fort.
Après, pour les invoquer, les trois monstres à 2800, il faut y aller. Hein. Je viens de te le dire. Il faut y aller. Les Lynx doivent être difficiles à implémenter dans le jeu, je ne pense pas. Je pense que ça peut être possible. Membre de la session, il n'y a pas d'autres membres dans la session? Non. Du coup, eh ben, je vous laisse venir. Si un modo peut mettre l'idée de session dans le chat. Et bien joué, Benjamin. Ou Ténébra. Donc du coup, je vous mets l'idée de session 8-6-4-3-3-4. Si vous voulez venir pour m'affronter pour les 10, 15, 20 minutes qui restent. Hop. Alors. Et hop. Je me mets là. Le premier qui arrive. Le premier qui arrive. Non? Non? Vous voulez pas? Ah, carnet, voilà. Carnet, la viande. C'est ça, non? C'est dans une langue, carnet, c'est pas la viande, non? Espagnol, un truc comme ça. Tu as trouvé comment mon deck harpie? Bien? Non, franchement, bien. C'est un petit peu la manière dont je jouerais. Après 3 terrains, je trouve ça beaucoup. Mais après, on a vu que ça faisait le taf. Mousse de LP Alpha, ok. Ah, en portugais, carnet. Qu'est-ce qu'il me semblait? C'est bien ce qu'il me semblait. Wouhou! C'est bien ça. Zanegi! On va retirer du jeu Emilia. Emilia Tan. On met Izanagi. C'est mieux de jouer Harpy sans la compétence de terrain? Ouais, c'est mieux puisque c'est pas si utile que ça. Oh, mais. Emilia Gishiki. Vu que le terrain est disponible, pourquoi jouer les skills surtout? C'est ça. Et surtout que ça te bouffe ta première pioche. Bon, au moins, t'es sûr d'avoir terrain de chasse d'Harpy en première pioche, mais bon, c'est moyen. En espagnol aussi, carnet? Ouais, en espagnol, mais avec un C au lieu de K. Ah, c'est bien ce qui me semblait. En créole aussi. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Non, pas tellement. Mais... Hop. Hop. Lorsque cette carte est retournée jusqu'à la N phase, annuler les effets de toutes les cartes pièges sur le terrain. Bam. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Flèche anti-magie. En italien aussi, carnet. Eh ben, allez donc, la viande, la carnet, on la connaît dans toutes les langues. Boum! Je ne sais pas ce que tu jouais, mais la viande, j'en ai fait qu'une bouchée. Bon, désolé à tous les vegans. Hein. Spoiler, je joue un deck cristal. Hop, c'est au Brax. Ça me dit rien, ça. Let's go. Let's go, on enchaîne. Si au Brax. Bonsoir, petit message pour te remercier. Grâce à toi, j'ai découvert qu'un jeu Yu-Gi-Oh! Existait sur mobile. J'ai vu ta vidéo sur le deck Buster Blader, ça m'a donné envie de jouer à nouveau. C'est à moi que ça fait plaisir, Thomas. Merci. J'avais un deck d'Akini, mais j'ai brick. Bien joué. Ah. Comment on fait pour te rejoindre? Vous rejoignez l'idée de session qui a été donnée dans le chat. Merci pour cette blague, Alex. Et voilà. Bon, après, bon, il reste plus... T'es division combien? 15-16, je sais plus. Donc, de toute façon, il reste plus que 10-15 minutes de live, là. Donc bon, hein, il y a déjà assez de gens dans la session pour que je puisse vous affronter. Cyber Angel avec Canadia, Thinking Mooja. Et Mooja. Posez, terminé. Tu vas dans multi, session de duel, puis tu marques le code. Oh non, mais double cyclone, s'il te plaît. Bon, ok. Viens te battre, je te montre un assez bon deck facile à farm. Après ton live, je vais regarder ta vidéo, ça fait plaisir. Ok.
Topodec. Ok. Bon alors, on va mettre la grue Shinobizo. Ça passe. On va invoquer la divinité Yamato. Donc on va envoyer ça, voilà, boum boum boum. Et je peux activer l'effet de la grue Shinobizo pour piocher une carte. Vous pensez que ça peut passer? Vous pensez que c'est un cristal Regeki face cachée ou c'est un mur d'interruption? Bon, je vais rager si c'est un mur d'interruption, mais pour moi, genre tu joues pas mur d'interruption dans ce deck. Oh, c'est un mur d'interruption. Oh, mais qui joue ça? Qui joue ce deck? Qui joue ça dans Bête Cristalline? Rainbow Path Incoming. Qui joue ça dans le deck Bête Cristalline? Je viens de reprendre le jeu grâce à toi et j'aurais une question selon toi. Quel est le deck le plus compétitif à low budget? Vampire est pas si mal. Il est pas si cher que ça. Par rapport à d'autres decks, j'ai envie de dire en méta. Après, t'as le deck Alien, mais bon, là tu vas pas aller en Cog, mais en fin de saison, ça peut te permettre d'aller passer en légende. Totalement. Peut-être même. Un petit. Peut-être Cog si tu tryhard bien. Ah oui, c'est déjà plein. Ok, ok. André. On va affronter André, hein, puisque il n'y a pas beaucoup de place apparemment. Dans les autres. Plutôt, qui ne joue pas Wall of D? C'est la meilleure carte du jeu, voyons. Elle est beaucoup trop cheatée. Please, limitez Wall of D. C'est vrai. Hop. Bien, c'est moi. Alors, mon petit Jesse Anderson. Mon petit Jesse Anderson. Voici ma famille. Oh là. Vous êtes sérieux. Yes, le fameux, le légendaire deck de 38 cartes. Bête cristalline. Lui, s'il pouvait mettre 60 cartes, il le ferait. Wow, 38 cartes. 38 cards! Pégase de Saphir. Ok. Ok. Tu pourras m'affronter après, je veux dire, j'ai jamais affronté encore. Je fais au hasard, les gars. Ne me demandez pas de vous affronter. Ça vous donne encore moins de chances que je vous affronte. Puisque si, voilà, vous me demandez sur le chat de vous affronter et que je vous affronte, après, il va y en avoir 10 erreurs qui vont spammer le chat en disant « Viens m'affronter, viens m'affronter, viens m'affronter, viens m'affronter. » Et ça va m'énerver. Donc je fais tout le monde au pif. Je suis là « Oh, tiens, son nom ne me dit rien, je ne l'ai jamais affronté. » Voici ma famille plus son adversaire qui rajoute 2 parasites. Oh, un deck de TCG, ça. Alex, ne m'affronte pas. Vous êtes les pires, des fois. Vous êtes les pires. Terminez le tour. C'est plein, je suis lagué. En plus, c'est plein. Alors, ok, un Pégase de Saphir. Allez, le petit Pégase de Saphir. Ouais. Le deck Dragon Blanc plus Cosmo Cerveau en requête, ça passe. Oui, ça passe. Force des miroirs de la noyade. Il l'a pas senti venir, celle-là. Hein. Ah, il l'a pas senti venir. Hein. Oh, ça, on met ça. Allez, mon petit Shinobizo, attaque. Yes, attaque. Et hop, on termine le tour. Gamebuster va juste... Voilà. J'essaie d'avoir l'herbe est toujours plus verte. Ouais, ça c'est dans le shop, c'est pas trop cool. Oh! 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 Ah oui, non, il voulait dire dans le duel. Oh man! Oh man!
Ah bah il a dégagé ses autres pauvres de lui, il a perdu le chemin arc-en-ciel. Ah non, le chemin arc-en-ciel on s'en fout. Il a perdu le dragon arc-en-ciel. Il avait tornade, il a tornade localisé. Nani. Ah il a perdu la gravité. Il a perdu une gravité et dragon arc-en-ciel quand même. Canadia. Hop, mets-moi ça en mode défense. C'est avalanche de cartes. L'avalanche de cartes. Benjamin, avalanche de cartes. Bon, allez, on pioche. Ok, ouais. La grue Shinobizo. En vrai, il y a des petites combos à faire avec le deck Spirit et j'aimerais bien que ce soit plus consistant, mais ce qui est dommage, c'est que non, on peut pas. Pas si facile. Regardez comment elle est bonne, la grue. Digne des plus beaux hentai. Regardez. Ouais. Je suis fatigué, les gars. L'ourbe est toujours plus verte. Regarde chez le changeur de cartes. Non, je voulais pas dire ça comme ça. Ouais, bon, vas-y, attaque-moi. Enfin bon, 3 cartes herbes dans un deck de 32 cartes, ça proc jamais, ça. Oui, on est conscient. Nous en sommes conscients. Zanagi. Yes. C'est dommage que Zanagi soit pas un monstre spirit, c'est très chiant. Gru. Ne serait-ce pas du tout la win. Ce n'est pas du tout la win. Ce n'est absolument pas... La zoophilie n'est pas encore légale, Alex. Ah, ce n'est pas ce qui est dit dans les copains, alors. L'oiseau qui bande un arc. Non, j'active pas l'effet de la grue pour la retourner en main. The fake. She's fake. Topo deck. Yes. Hop, flèche anti-magie. Non, deck dragon blanc plus beaucoup. J'ai fait 3 combats, j'ai fait 2 ETK. Hop, les pires. Allez hop, détruis-moi ça. Détruis-moi ça, j'ai dit. Comment as-tu fait pour le tapis? C'est dans un event précédent. Non, mais mec! Écris pas sur le chat! Voilà. Allez, enfin une victoire avec ce deck. Impossible, j'ai 3 dragons dans le deck, aucun ne vient. T'en avais déjà perdu un. Donc c'était assez compliqué. Yo, Alex. Allez, c'est le dernier, yo Alex. Je ne sais pas qui a osé se rename comme ça, mais allons-y. Change de mode caméra STP. Mais non. Non, l'autre mode caméra est le pire. Qui est roi des jeux? Qui est roi des jeux et s'appelle Yo Alex comme ça? Par contre, je joue pas Yubel, ça va être chiant. Déjà que je joue un deck de mort. Bouse de LP Alpha. C'était même pas 37. 38 cartes. Allô? Ah, c'était un nouveau départ en face. Ok. Ah, oh, c'est un deck Bujin. Nice. Bien, bien, bien. J'apprécie. Bujin en face. Ah ouais? Bujin utilise souvent Restart? Bujin Jigru, ok. Donc ça, va falloir faire gaffe. Ok. On pose ça. On pose ça. On termine notre tour. Merci, Yo Alex. Bon bah, grâce à Yo Alex, vous pouvez assister à un combat contre un deck Bujin. Bujin. Tu as assuré Yamato en main de départ et si tu l'as, Osef de prendre ta draw phase, ok. Seems legit. Ah, en plus, il y a Signou. Chiant, lui. Canadien. Ouais, je verrai bien quand je jouerai Bujin. Quand je m'intéresserai un petit peu plus. Mmh.
On va faire comme ça. Pénible. Pénible, pénible. Puisque bon, après le deck spirit, tu ne fais rien avec. Hein. Non. Ça venait du cœur, ça, les gars. J'ai cru que j'allais sacrifier mon monstre. Bon, maintenant. Non. Maintenant, je tape là-dedans. Dégage-le-moi. Dégage-le-moi, vas-y. À quoi servent les pièces d'or pour le changeur de cartes? Et on termine notre tour. Non, j'active pas son effet. Point d'exclamation, pay to sub. J'ai pas de commande pay to sub. Incroyable. Incroyable, j'ai pas de commande pay to sub. Toutes les commandes disponibles sont dans la description, hein, pour ceux qui se poseraient la question. Ok. Bon, du coup, il va mettre sa grue. Ou le signaux aussi. Il peut faire ce qu'il veut en soi. La grue. Ok. Ouais, je prends 1000. Et il a encore un signaux. Alors ça va être tellement compliqué à passer tout ça. Bon, allez, je vais le forcer, mais bon. Je vais essayer de le forcer pour ça. Il en avait une autre, MDR. Et en effet, Nightbot a raison, vous pouvez soutenir gratuitement la chaîne grâce à Utip. En regardant des pubs. Alors, qu'est-ce que tu as? Yamato. Bon, il a déjà la win, mais en plus, à la fin du tour, il pouvait faire des trucs insane. Alors, faut vraiment que je refasse un deck Bujin, puisque j'aime beaucoup la mécanique. J'essaierai de faire ça. Deuxième grue en main, by the way. J'ai pas vu qu'il avait rajouté une deuxième grue en main. On l'a vu quand il a rajouté la deuxième ou j'ai vraiment pas fait gaffe? Et j'ai vraiment pas fait gaffe ou je ne sais pas. Non, moi je ne pensais pas l'avoir vu. Bref. Du coup, Bastien le besogneux, tiens, on va faire un duel auto contre Bastien le besogneux pour terminer. Bastien le besogneux. C'est un bon nom, ça. Ça, on adore. Ça, c'est un vrai nom. Par contre, on va juste changer le personnage. On va prendre Aster Faya. Aster Faya. Hop. Et on va essayer de drop. Puisque je fais que des duels auto contre lui. Et j'ai que de la merde. Genre, j'ai un... Attendez, comme ça. Voilà, j'ai un exemplaire de ça, un exemplaire de ça. Trois exemplaires, deux exemplaires, deux... Et le reste, on s'en fout. Mais j'aimerais bien 3 démons Jouten Doji, pourquoi pas. Pas le pire des trucs quand même. Allez, Bastien, mais c'est ouais. Mon chat a crash ou... Je ne sais pas là. Ne bouge plus. Mon chat ne bouge plus. Je commence à m'inquiéter pour lui. Sanctuaire hanté. Allons. Oh. Ok. D'accord, ça refresh d'un coup. Et là, on a une troisième MDR. Pour le prix de... Ok, non, ok. Le chat a pop d'un coup, je ne voyais plus le chat. Qu'est-ce que 10 secondes de pub? 10 secondes plus tard, il se transforme en homme des cavernes. Qui se sert du changeur de cartes à part pour l'émission? Bah, ceux qui n'ont pas toutes les cartes du changeur de cartes en 3 fois. Mais c'est vrai que je l'utilise principalement pour l'émission maintenant. Ouais, j'ai eu des trucs nuls. Wouhou. Donc voilà. Oh, regardez mon nombre de gemmes. 2017. On est un petit peu en retard sur Duel Links. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce live. On se retrouve du coup pour le prochain live la semaine prochaine. Je ne sais pas quel jour encore. Mais bon, pour être au courant... Eh bien, il faut être sur le Discord ou me suivre sur Twitter, puisque tous les lundis, généralement en fin de soirée, enfin,
En fin de soirée, genre vers 18, 19, 20, 20 heures à peu près, dans ces eaux-là, je partage le planning des lives de la semaine sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Donc du coup, bah, si vous voulez être notifié quand je poste ce fameux planning, eh ben, il faut mettre la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Ou sinon, hein, je partage aussi le planning des lives sur mon Discord qui est dans la description, et ainsi que sur Twitter, bien dans la description aussi. Et du coup, on se retrouve la prochaine fois pour un prochain live sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, et d'autres fois pour d'autres vidéos sur Yu-Gi-Oh! Duel Links, sur My Hero One Justice, et sur d'autres jeux. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois. Allez, bye tout le monde!